And now I think we're ready to turn it over to the French Hour. Since I don't speak French, I'm gonna invite Isabelle Charlebois to be the moderator. Isabelle is passionate about tourism, particularly culinary tourism. She is the general manager of the tourism local management organization, Tourisme Haut Richelieu, and one of the administrators of the regional tourism association, Tourisme Montérégie. She is also a member of the Champlain Valley National Heritage Partnership. And Isabelle has been collaborating across the US-Canadian border for several years now with the goal of making the Great Valley of Lake Champlain a single destination that is attractive to visitors from all over the world. Isabelle, bienvenue, and thank you for taking over the French part of the, being moderator for the French session coming up. Merci, Lisa. Alors, on va attendre quelques minutes que les gens arrivent ou que les gens restent avec nous. Vous êtes tous bienvenus à rester avec nous. Donc, on va attendre, il est presque 11 heures, presque midi, en fait. J'espère que vous avez préparé un bon lunch pour la prochaine heure. Donc, en attendant qu'on se prépare pour débuter, vous pouvez, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue parmi nous. Il y a une heure en anglais qui vient de se terminer. Et puis, si vous avez des questions, des problèmes techniques, on vous invite dans le fond à poser vos questions dans le Q&A que vous voyez à votre écran, questions-réponses ou des problèmes techniques ou d'autres échanges que vous souhaitez faire là, dans le chat directement. Est-ce qu'on attend encore quelques minutes, David? Je pense qu'il est pas mal l'heure de débuter. Il est midi. Vas-y, Isabelle. Excellent. Donc, bienvenue encore une fois parmi nous à ce 14e rassemblement des conférences agro-touristiques virtuelles qui sont organisées en fait en collaboration avec l'Université du Vermont. Donc, je m'appelle Isabelle Charlebois, je suis directrice de Tourisme Haut Richelieu, qui est un organisme de gestion touristique locale en Montérégie. Je suis ici avec vous pour la version française, alors que la version anglaise a été faite par Lisa Chase, qui est encore avec nous, qui est professeure à l'Université du Vermont et directrice du Centre de recherche en tourisme au Vermont également. Donc, merci à Mme Chase pour cette opportunité également. Donc, on va débuter tranquillement, dans le fond, avec une première, c'est moi qui dois mettre la présentation, donc juste un instant, mais voulez-vous qu'on fasse un premier tour de piste pour savoir d'abord qui est avec nous aujourd'hui? Donc, peut-être qu'on pourrait mettre le poll, Lisa, pour les questions, pour découvrir qui sont les gens avec nous aujourd'hui. Can you put the poll for the... Et voilà. Alors, vous pouvez tout simplement écrire qui vous êtes. Vous pouvez cocher plusieurs cases devant vous et puis on fera un petit résumé après ça pour voir qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je vous laisse quelques minutes. Quelques secondes. Parfait. Donc, j'imagine que tout le monde a eu le temps de répondre. On va aller au résultat. The result. Alors, on voit qu'on a beaucoup de professionnels en tourisme aujourd'hui, beaucoup d'organisations à but non lucratif, des agriculteurs également avec nous, des fournisseurs de services et d'universités. On a plusieurs éducateurs et organismes gouvernementaux également. Donc, c'est un beau portrait de qui vous êtes aujourd'hui. Donc, merci d'avoir répondu. Donc, pour commencer aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé, dans le fond, de ce qu'on va discuter. En fait, c'est une conférence là, qui est donnée en collaboration avec plusieurs régions. Et puis, c'est des conférences qui font partie, cette conférence fait partie d'une série de conférences qui est donnée, dans le fond, en attendant que le colloque international agro-touristique ait lieu au Vermont
le 30 août au 1er septembre, qui, on espère, sera en présentiel, mais pour sûr, en version aussi numérique. Donc, pour commencer aujourd'hui, on va parler de façon novatrice de rendre accessibles, dans le fond, les produits locaux au Québec, en France, en Ontario. Donc, c'est fait en collaboration avec tous les partenaires qui sont là aujourd'hui. Donc, l'objectif derrière ça, c'est de, oui, l'achat local et les circuits agroalimentaires, les circuits courts agroalimentaires, mais aussi tout ce qu'on veut développer quand on est une industrie touristique là, au niveau de l'offre de l'expérience gourmande. Donc, je vais vous présenter, je fais plusieurs choses en même temps aujourd'hui, donc je vais mettre à l'écran la présentation pour vous présenter nos conférenciers. Alors, vous voyez ici la présentation. Oui, tout le monde voit bien la présentation. Alors d'abord, je voudrais, avant de vous présenter David Gilepsy qui est avec nous aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous remercier nos partenaires, donc ACC Future, Prescott Russell, Eastern Ontario Agri-Food Network, nous-mêmes, Tourisme Richelieu, Terroir Saveur du Québec, l'association agro-touristique et Tourisme Montérégie. Donc, voilà, je vous présente dans le fond David qui est avec nous, qui va nous présenter, qui est un agriculteur qui travaille avec nous, éleveur de moutons Prescott Russell. Donc, David, à toi la parole. Oui, merci Isabelle. Maintenant, comme j'ai fait dans la version anglaise, j'ai une petite histoire à vous raconter qui démontre la tradition et l'importance de la nourriture par rapport au monde de la francophonie. Ma mère faisait partie d'une grande famille canadienne-française typique de 8 enfants vivant dans la région de la Beauce, au sud de la ville de Québec. Je me souviens qu'enfant, puis ça fait plus de 50 ans, alors, pendant la saison des fêtes de Noël et de la Nouvelle An, ma mère passait toute la journée à préparer le dîner de dinde, y compris des recettes familiales pour les tortillères, la farce et les desserts tels que le pudding au chômeur puis la tarte au sucre, et toutes faites à la main. Alors, au moment de servir, elle remplissait votre assiette, et quand vous aviez fini, elle en mettait une deuxième portion, et si vous osiez refuser, elle disait: « Quoi? On n'aime pas ma bouffe? Comment ne pas accepter ces deuxièmes portions? » C'était une façon de vous endormir. Alors, ceci dit, en plus, il y avait une réunion traditionnelle de la famille, encore une fois en Beauce, à la cabane à sucre de ses proches. Je me souviens de sa famille préparant des fèves au lard, du porc et du saindoux, des tartes au sucre, des puddings, toutes les recettes utilisant le sirop d'érable comme assaisonnement de choix. Alors, quand vous aviez fini de manger, vous pouviez courir dans le bois toute la journée. Et comme enfant, je faisais exactement cela. Alors, ils recevaient souvent des gens de partout et mettaient leur sirop en conserve pour la vente. Puis ça fait depuis plus de 50 ans. Alors, rappelons que jusqu'en 1940, l'agriculture québécoise était majoritairement une agriculture de subsistance. La production a été diversifiée afin que des cultivateurs puissent nourrir leur propre famille. Les techniques de production étaient rudimentaires et se transmettaient de génération en génération. Les heures étaient longues et le travail était physiquement très dur. La nourriture était une partie essentielle de la vie rurale au Québec. Il fallait bien manger pour pouvoir travailler toute la journée à la ferme ou dans le bois. Bien sûr, les temps ont changé et la profession aussi, mais pas cette tradition. Les Français considèrent la nourriture comme un élément essentiel de leur culture, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Amérique du Nord.
Peu importe où que vous alliez aujourd'hui, les Français sont très fiers de leur présentation culinaire, soit à la ferme, au marché et au restaurant. Ceci dit, nous examinerons trois exemples de succès provenant du sud du Québec, de l'est de l'Ontario et de la région de l'Aube en France, en discutant les moyens novateurs de faciliter l'achat local pour les résidents, les touristes et les entreprises. Allons-y. On commencera avec Christine Taillarda, responsable Slow Tourism Lab, Aube en Champagne, la région, évidemment, en Aube, France. Bonjour à tous. Merci, David. Je dirige l'Agence départementale du tourisme de l'Aube, qui est également un incubateur qui s'appelle le Slow Tourism Lab. Je sais pas, on peut peut-être passer la présentation. D'abord, pour faire un petit constat de l'agriculture en France, avec la disparition de 100 000 exploitations en 10 ans, et pour autant des agriculteurs qui de plus en plus de jeunes agriculteurs qui s'intéressent justement à cette agriculture et de plus en plus d'agriculture bio. Vraiment une forme d'espoir, d'autant qu'un sondage est sorti hier d'Opinionway qui dit que 83% des Français souhaite que la profession d'agriculteur soit revalorisée, qu'elle n'est pas assez mise sous les spotlights, et 70% des gens pensent que les agriculteurs ne sont pas assez payés, et 57% pensent que le challenge, c'est justement de vendre en circuit court et de produire localement. De produire et de vendre en circuit court, pardon. Donc vraiment une source d'espoir pour cette agriculture qui est quand même encore le grenier à blé de l'Europe. On va passer. Voilà, donc l'Aube en Champagne, Tourisme et Congrès, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence de développement touristique, un comité départemental de tourisme, dit-on en France dans la loi du tourisme. Donc, nous accompagnons les porteurs de projets, y compris les startups, vous allez le voir. Nous faisons la promotion du territoire et nous facilitons la première mise en marché, ou nous sommes en tout cas là pour les accompagner sur cette mise en marché. Voilà, l'Aube en Champagne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 1h30 de Paris, au sud-est de Paris, dans la région Grand Est. Et c'est une zone plutôt rurale, composée de grands lacs. Bon, évidemment, ce ne sont pas les grands lacs canadiens, mais des grands lacs artificiels qui empêchent en fait l'inondation de Paris par la Seine notamment. Et une zone de parc naturel préservé. Au nord, là, la zone plaine champenoise que vous voyez, c'est vraiment une grosse plaine céréalière, betterave. Et au sud, dans la Côte des Barres, vous avez beaucoup de vignes, puisque nous sommes le deuxième producteur de champagne en France. Voilà, alors pourquoi le slow tourisme ? D'abord, qu'est-ce que c'est que le slow tourisme ? Le slow tourisme, c'est l'opposé du tourisme de masse. C'est un tourisme où finalement, on va profiter de son territoire, on va profiter des gens que l'on rencontre, on va finalement prendre le temps de vivre, on va s'opposer à ce tourisme de masse qui est stressant et on va au contraire prendre le temps. Alors, le Slow Tourism Lab, pourquoi ? Parce que finalement, pour que ce tourisme soit rentable, il faut innover. Et nous avons décidé de monter cet incubateur pour accompagner toutes ces boîtes qui souhaitent innover dans le tourisme. Elles ont en général beaucoup d'éthique. On a beaucoup de jeunes qui n'ont plus envie d'innover sur des licornes avec une croissance incroyable, mais qui ont réellement envie d'avoir un tourisme éthique, un tourisme qui a une empreinte positive sur le territoire. Donc, ce Slow Tourism Lab, c'est un outil pour accompagner
nos startups dans ces zones rurales, des zones où, de toute façon, nous allons utiliser la plupart du temps des lieux ou des gens dont la profession n'est pas le tourisme. C'est-à-dire qu'on va finalement demander à un artisan ou justement à un agriculteur dont ce n'est pas le métier d'ouvrir, de s'ouvrir au tourisme et finalement de compléter ses revenus, de compléter sa manière de vivre et de faire, de rendre une certaine fierté au territoire. Voilà. Donc, le Slow Tourism Lab, nous sommes partenaires de France Tourism Lab, qui est un organisme piloté par le ministère des Finances, par la DGE Tourisme, et qui fédère tous les incubateurs touristiques de France. Nous nous appuyons aussi sur une technopole et sur une école supérieure de commerce. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'agrotourisme que nous soutenons. Nous ne soutenons pas que de l'agrotourisme, mais c'est le sujet aujourd'hui. Alors, d'abord, la plateforme Eau la Vache, qui permet justement une meilleure visibilité des séjours immersif dans une ferme. Donc, la particularité, c'est que vous serez associé vraiment au travail du paysan et bon, vous avez tout ce système de réservation de la nuitée, mais aussi de la prestation qui va avec. Voilà. Au cœur des paysans, donc là, à la base, c'est un projet un peu militant. Puisque l'idée, c'était vraiment de revaloriser l'image des agriculteurs. Donc, ce sont en général des itinéraires du nord vers le sud, en tout cas, c'est assez continu, qui permettent à pied de rejoindre certaines fermes, pourquoi pas de s'y arrêter. Mais en tout cas, on ne demande pas forcément aux agriculteurs de faire de l'hébergement, on leur demande simplement de montrer aux touristes leur vie, leurs contraintes, leurs engagements, parce que finalement, on se rend compte que les citadins connaissent relativement peu ce milieu paysan. En tout cas, ils le fantasment et ce n'est pas toujours bon pour notre agriculture. Voilà, donc ça s'appelle Au cœur des paysans. Donc, vous voyez ici, par exemple, l'affiche d'un des viticulteurs chez nous, Jean-Louis et Odile Normand, qui vont à la fois accueillir, faire visiter, faire déguster leur champagne. L'empreinte des faits, là, on est plus sur une plateforme, on est réellement sur un agriculteur qui a décidé de s'ouvrir à l'œnotourisme et de finalement faire vivre plusieurs expériences autour du champagne et de la dégustation, puisque sa femme est trufficultrice. Donc, on est plutôt dans le prestataire qui devient lui-même une destination touristique. Donc ça, c'est très intéressant parce que quand on va en ruralité, en fait, on ne va pas finalement juste aller faire une visite d'une demi-heure. On veut vraiment être pris en charge dans un concept global. Donc là, vous avez de la visite, de la dégustation, de l'expérience, des jeux pour les enfants, si on passe le slide suivant. Voilà, donc le secret de Biodynamics, ça, c'est plutôt pour les enfants. On va percer les secrets du druide. Voilà. Bon, bien sûr, nous accompagnons des hébergements insolites. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les hébergements insolites, le vrai sujet, le vrai enjeu, c'est la logistique. Puisque en général, si c'est insolite, vous payez relativement cher la nuit, vous êtes au milieu de nulle part. Mais ça signifie que tout ce qui est chaîne logistique pour refaire les lits, pour vous apporter à manger, c'est très coûteux. Donc, la route des bulles, par exemple, nous les accompagnons. Il y a 3 bulles qui sont dispersées. Mais il y a surtout toute une amélioration de la chaîne logistique, que ce soit pour le ménage ou pour l'apport des repas ou le nettoyage des bulles. Voilà, de la même manière, vous avez Parcelle, qui est plutôt sous format en bois. Là, qui est plutôt vraiment un hébergement éco-conçu, avec le bois local et qui est implanté aussi proche des vignes. Voilà le prochain. Alors, le dernier projet qu'on voulait vous présenter, c'est une plateforme collaborative qui s'appelle 100% Aube, que nous avons lancée en fait pendant le confinement, le premier confinement, pour sauver quelques producteurs
qui n'arrivaient pas à être visibles. Et c'est une plateforme où chacun peut gratuitement mettre ses offres, chacun peut gratuitement commander. Simplement, on a mis en place avec les camions presse qui livrent la presse dans les bureaux de tabac, un système de livraison gratuite. Bon, qui n'est pas toujours possible, puisqu'évidemment, ça ne fonctionne pas sur les produits frais, mais c'est un sujet intéressant pour mettre en valeur nos producteurs. Bon, pour l'instant, nous assumons entièrement la charge de cette plateforme, donc ça signifie qu'elle est quand même financée par l'argent public, mais au profit, finalement, de la survie des producteurs, notamment dans cette période de confinement. Voilà, merci. Merci bien, Christelle. Comme je disais ce matin, avec les froids de chez moi de moins 35 depuis une semaine, ça me tente bien d'aller voir la route des bulles, si ça me prendrait ça. Alors, OK, ceci dit, je vais y aller ensuite. Nos prochains présentateurs, qui seraient Nadia Dufour, conseillère aux entreprises en agrotourisme, et au néo-tourisme et tourisme gourmand. À Québec, et Mireille Labranche, responsable développement de marché, tourisme au Richelieu, évidemment au Québec, au Canada. Alors, disons, Nadia, tu as la parole. D'accord. Oh, on revient en arrière, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Premièrement, bien, j'aimerais remercier l'Université du Vermont et du International Workshop on Agritourism de nous avoir sélectionnés pour participer à ce webinaire. Donc, pendant cette présentation, vous allez découvrir les éléments distinctifs de notre pratique de l'agrotourisme et le tourisme gourmand et comment nous mettons en valeur les produits régionaux par le développement de circuits courts. J'ai donc le privilège de vous faire visiter virtuellement notre Québec gourmand. Le Québec est un endroit unique qui mise sur ses valeurs humaines, ses grands espaces, son savoir-faire, sa créativité et la richesse de son terroir, en offrant des expériences authentiques, vibrantes et totalement gourmandes. Le Québec possède 20 régions touristiques qui sont promues à l'étranger par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, qui a identifié 8 expériences phares, dont celle des saveurs locales basées sur nos 4 saisons. Pourquoi? Pour convaincre les voyageurs de choisir notre destination. En quelques années, ce secteur mineur est devenu un secteur fort significatif, avec plus de 25 millions de visites personnes, générant des retombées économiques de plus de 187 millions. L'année 2021 fut très positive. Le récent sondage mené auprès du secteur démontre que les entreprises ont connu une forte croissance économique. Et on est tellement content. L'association de l'agrotourisme a pour mission de représenter, développer et de promouvoir le secteur du tourisme gourmand, ainsi que de s'assurer le leadership et la coordination de la mise en œuvre du plan d'action provincial, tout en accompagnant les entreprises dans le développement de la qualité de leur offre et de leur expérience gourmande. Pour ce faire, on emploie un Canva travail qui débute par un diagnostic de l'expérience client, suivi d'un accompagnement personnalisé sous la forme de coaching, formation, optimisation de circuits et par le développement d'outils et d'activités. Alors maintenant, découvrons ensemble certains de ces projets réalisés chez les producteurs et les attraits touristiques. Nous allons débuter par la mise sur pied de circuits courts dans les attraits touristiques, notamment à la station de ski Bromont. Et soit dit en passant, les 3 attraits touristiques que nous allons voir, ce sont 3 projets pilotes. Donc, comment on introduit le tourisme gourmand dans les attraits touristiques? Alors, regardez en bas au coin à gauche. Vous pouvez voir le nouveau bâtiment au sommet de la montagne, avec sa vue imprenable sur la région, qui abrite un bar et un restaurant. Et on a développé une carte des alcools et de cocktails 100% local. Pour apprivoiser le menu, à savoir local, on a développé une entente de livraison avec un traiteur spécialisé sur les produits locaux. Donc, c'est beaucoup plus facilitant, autant pour le restaurant que pour les producteurs. De plus, dans une saison qui est
un peu moins importante pour la station de ski, on a mis sur pied quatre Apennines gourmands, donc quatre week-ends lors de la saison automnale. C'est le moment où au Québec, c'est la saison pour ramasser les pommes, désolée. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des activités agro-touristiques, dont un marché de produits locaux, qui a même servi à élaborer le menu gourmand du food truck. Maintenant, nous allons voir des circuits courts adaptés au camping. En bas à droite de votre écran, vous apercevez le site du camping. En bas de la falaise, qui est vraiment magnifique, c'est l'endroit le plus réputé pour la pêche à la palourde. L'été prochain, on va offrir des ateliers animés par un guide pour apprendre à faire la pêche, comment les cuisiner, suivi d'une dégustation et des accords régionaux. Dans une autre région, on va offrir des prêts-à-manger 100% local, élaborés et adaptés pour les campeurs. Les clients feront la commande en ligne et le tout sera livré au camping. Pour d'autres, des outils en ligne tels que des circuits gourmands. Ainsi, à partir du camping, les clients peuvent faire le circuit soit à pied, en voiture, en vélo et certains même en kayak de mer. Alors maintenant, voyons trois circuits développés pour les pourvoiries, tels que des ateliers thématiques gourmands sur la pêche et la chasse, l'autocueillette avec un spécialiste en mycologie, suivi d'une dégustation de champignons sauvages accompagnés de vins locaux. Et l'une des plus riches expériences gourmandes dans une pourvoirie est le shore lunch. Une microbrasserie locale produira une bière avec les produits de la forêt boréale de la pourvoirie. Alors imaginez-vous là un instant, vous êtes assis sur le rivage, vous regardez le coucher du soleil avec votre bière, créée et inspirée de la forêt qui vous entoure, tout en dégustant votre poisson fraîchement préparé par votre guide. Ça donne le goût d'y aller. Alors, tout ce travail d'accompagnement, de diagnostic, d'écoute, de partage avec les producteurs a débuté en 2016. Nous avons accompagné plus de 200 producteurs, 240 producteurs, pour le développement de projets personnalisés, permettant l'ajout d'activités, de services, des concepts d'animation distinctifs, authentiques, en lien avec le terroir, tels que événements gourmands, menus accords vins et produits locaux, randonnées gourmandes, plateaux de dégustation, visites guidées, ateliers de cuisine, auto-cueillette, paquet panier pique-nique, table gourmande, chef à la ferme et bien plus encore. Et même, on a créé deux cartes virtuelles d'alcool locaux. Alors, une pour l'Association de l'agrotourisme et l'autre pour une région du Québec, dont la Montérégie. Et lorsque on a élaboré, l'objectif était quoi? De créer des maillages d'affaires potentiels entre 300 restaurateurs et plus de 100 producteurs. Alors maintenant, terminons sur les bienfaits. Est-ce que ça vaut la peine de développer des circuits courts? En voici trois exemples. Alors, on a mis en ligne une toute nouvelle plateforme Île au terroir. Alors, no notre travail consistait à développer des activités pour cinq fermes. Alors, en voici ici trois exemples. Alors, la toute nouvelle expérience pour la ferme Forget, soit la cueillette de fleurs, la zinnia et les tournesols. Alors, à cela, on a joint une offre de pique-nique gourmand, autant des produits de la ferme que les produits locaux. Alors, à la fin de la saison, les propriétaires estiment son impact direct à plus de 125 000 $ canadiens sur une période de 3 semaines. Pour les Serre-la-Voix, 150 personnes ont assisté aux 6 nouveaux ateliers, cocktails locaux et plantes rares. Cette nouvelle activité a permis de développer une nouvelle clientèle, augmenter le chiffre d'affaires, acquérir de nouvelles compétences et de solidifier l'équipe. À la ferme Marino, on a développé une nouvelle expérience, soit l'auto-cueillette de citrouilles, et le champ en avait 50 000 au moins, et un concept de lunch de paille gourmand, où l'on pouvait déguster les produits locaux. Et ces activités auront permis pour la ferme d'augmenter les ventes pour la période automnale, mais aussi c'était le moment le moins occupé. Donc, ça a eu vraiment un impact
très positif. Et même l'équipe estime que ce projet a attiré plus de 12 000 nouveaux clients. Donc, d'après ces exemples, oui, le circuit court, c'est vraiment quelque chose de payant. Ainsi, cette conférence vous aura permis de bien cerner l'offre en agrotourisme et tourisme gourmand du Québec. Également, vous avez découvert plus de 19 projets de circuits courts, mettant en valeur l'identité culinaire des régions, influencée par les saisons, le savoir-faire de ces acteurs et les richesses uniques de leur terroir. Je souhaite de tout cœur que ces projets vous ont inspiré et que vous puissiez les transposer au sein de vos communautés. Alors, merci à vous et au plaisir de vous accueillir dans notre Québec totalement gourmand. Sur ce, j'invite notre prochaine conférencière, Madame Mireille Labranche. Merci beaucoup, Nadia. Donc, bonjour à tous. C'est pour moi un énorme plaisir de vous présenter les initiatives et les projets agrotouristiques dans le Haut-Richelieu. Pour bien vous situer, le Haut-Richelieu est une municipalité régionale de la Grande Montérégie de la province du Québec. Comme tout le monde, depuis environ 2 ans, la pandémie aura eu plusieurs répercussions sur nos vies, nos habitudes, dont la promotion d'achats locaux. Donc, les Québécois, 82%, excusez-moi, des Québécois font maintenant l'effort d'acheter dans les entreprises de leur région. C'est pour ça que Tourisme Haut-Richelieu a décidé d'aller de l'avant en créant un projet pilote Haut-Richelieu en saveur qui a pu naître grâce à la collaboration de divers partenaires locaux. On a créé une offensive pour accroître la visibilité des produits auprès des restaurants de la région, puis mettre en valeur la diversité agroalimentaire. Donc, nous avons ciblé pendant plus de 6 mois une douzaine de restaurants qui soit avaient déjà ce désir de vouloir encourager l'économie locale tout en voulant aussi améliorer la visibilité des produits qu'ils servent, donc en augmentant également leurs ventes. Puis, ils ont servi des plats uniques avec des ingrédients locaux qu'on trouvait chez nous, souvent qu'ils ne connaissaient pas. Donc, on a pu créer des maillages. Les propriétaires des restaurants ils ont invité les citoyens, autant que les touristes, à venir goûter les saveurs locales. Mais aussi, ils ont vraiment contribué à ce que les gens puissent aussi découvrir l'histoire de plus de 50 de producteurs locaux qui ont encouragé à les rendre visite pour découvrir leur impressionnante sélection de produits. Concrètement, ce que Touriste on a fait pour eux, c'est qu'on les a mis en contact, on a créé les maillages, on les a aidés à faire des combinaisons de mets selon leur type de restaurant, d'entreprise. On a créé 6 vidéos promotionnelles que vous pourrez aller voir sur le lien. Un site web qui rassemblait vraiment toute l'offre dans le fond de la région, là, pas que les restaurants qui ont participé, mais également tous les restaurants de la région qui avaient déjà cette effervescence-là, ce désir de cuisiner avec les produits de chez eux. Et plusieurs autres actions promotionnelles là, qui ont permis aux citoyens et aux visiteurs de découvrir l'offre agroalimentaire de leur région. Ce projet pilote nous a incité en 2022, donc cette année, juste revenir un en arrière, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour cette année, donc, on a pu obtenir une ressource supplémentaire afin de poursuivre cette initiative en augmentant la présence des produits locaux, autant dans les restaurants comme nous l'avons déjà fait, de pouvoir poursuivre dans cette lignée-là, mais aussi de les ajouter dans les attractions touristiques, donc autant dans les campings, dans les attraits de plein air, de aussi bonifier leur présence dans les commerces, donc les épiceries fines et tout ça, donc de vraiment accroître la visibilité partout sur le territoire, mais aussi d'accroître la visibilité chez le producteur, donc les accompagner pour bien mettre en valeur leurs propres produits. On peut passer à la suivante. Merci. Il y a plusieurs autres réalisations qui ont eu lieu dans la région depuis plusieurs années, donc dans la Montérégie. Je vais rapidement vous les nommer, mais vous pourrez avoir les liens par la suite. Donc, Haut-Richelieu a créé des circuits et pique-niques qui permettent aux gens de télécharger sur une application des circuits permettant de passer d'entreprise à l'autre afin de récolter les produits et de finir leur journée
en pique-nique dans un point précis de la région ou dans un attrait de la région. Il y a également le circuit du paysan, qui est une route touristique sur l'ouest de la Montérégie, donc qui permet également de visiter, de connaître tous les producteurs locaux partenaires au circuit. Ma cabane à la maison est une offensive qui a été créée, je ne vais pas me tromper dans les dates, mais durant la pandémie, pour rassembler l'offre des érablières et ainsi créer des boîtes repas à emporter. Donc, pour aider finalement la survie aux érablières durant leur fermeture. Et pour terminer, la Montérégie, le garde-manger du Québec, est un site Internet regroupant plus de 180 entreprises bioalimentaires de la Montérégie. Dans le fond, c'est un site qui rassemble vraiment toute l'offre pour permettre aux gens de connaître toute la biodiversité agroalimentaire de la Montérégie. Donc, je vous remercie de votre temps. Au plaisir. Merci beaucoup, Mireille et Nadia. En effet, je dois dire, là, j'ai vraiment, vraiment fait avoir vos photos là, parce que j'ai eu un agnolage à 5 heures ce matin. Je n'ai pas déjeuné. Alors, oh, ça me donne envie de manger. Là. Alors, ceci dit, on va y aller avec Tom Manley, qui est directeur exécutif de Réseau agroalimentaire de l'Est ontarien Canada. Lui et Geneviève Bougie travaillent sur le développement des circuits dans l'Est de l'Ontario. Alors, je vais laisser ça la parole à Tom. Tom? Merci beaucoup, David, et merci à tous pour m'avoir invité à présenter nos réalisations dans l'Est ontarien. C'est bien apprécié. Le suivant, s'il vous plaît. L'Est ontarien se trouve coincé par plusieurs autres régions, dans l'extrême est de la province de l'Ontario, dans l'est canadien. Au sud, nous avons le fleuve Saint-Laurent, les États-Unis, l'État de New York en particulier. Vers le nord-ouest, c'est la capitale nationale, la ville d'Ottawa. Et les banlieues d'Ottawa touchent quasiment notre région, et d'ailleurs, bien des gens de notre région voyagent jour et soir pour travailler à Ottawa. Au nord, la province du Québec, à l'est également, et à l'est en particulier, la grande métropole de Montréal et puis banlieue. Notre région est surtout une région, le suivant s'il vous plaît, surtout une région agricole, rurale. Nous avons environ 200 000 habitants. C'est une population bilingue, environ deux tiers anglophones et un tiers francophones, grosso modo. Ça varie au travers de la région, certaines localités plus en francophones que d'autres. Nous sommes au service de quatre municipalités ou trois municipalités qu'un territoire, c'est-à-dire les comtés unis de Prescott-Russell, les comtés unis de Stormont, Dundas, Glengarry et la ville de Cornwall et la partie ontarienne du territoire Mohawk d'Akwesasne. Le réseau est une association de membres, donc à membriété, à but non lucratif incorporé. Nous nous occupons de trois activités principales, c'est-à-dire d'abord le marketing, la commercialisation, la promotion des produits locaux, incluant l'agrotourisme local de notre région. Deuxièmement, nous servons de fonction de conseil consultatif dans l'agroalimentaire pour aviser les gouvernements municipaux, provinciaux et autres, représenter effectivement la voix des producteurs, des membres auprès des instances gouvernementales. Et troisièmement, nous travaillons dans le domaine du développement, la formation, réseautage, conférences et autres pour développer la capacité agroalimentaire de la région. Notre organisation a sur son conseil d'administration quatre sièges municipaux parce qu'ils sont notre première bailleur de fonds et ensuite huit membres élus au travers de la membriété. Notre financement vient environ à 40 % des municipalités qui nous appuient sur une base annuelle. Ensuite, 40 % du gouvernement provincial ontarien, le ministère de l'Agriculture, avec une subvention de 2 ans. Et troisièmement, à partir des membres, c'est-à-dire des frais d'adhésion, des commandites et des frais de participation à certains services que nous apportons. Suivant, s'il vous plaît. Une de nos activités principales, c'est l'appui général au marché, d'ailleurs, je vais corriger cette traduction, marché champêtre. Et puis, donc, soutien général veut dire la promotion des marchés champêtres auprès des producteurs, donc de l'aide dans le recrutement, auprès des consommateurs pour amener les gens locaux et de la ville d'Ottawa pour visiter les marchés champêtres et faire de la publicité générale dans la région pour les marchés champêtres. Mais en particulier, il y a un marché champêtre où nous étions le co-producteur, le co-organisateur
le marché champêtre de Cornwall en 2021 et ça se poursuit encore en 2022. Nous avions un partenaire local qui s'occupait de la promotion locale, recruter des producteurs et être présent sur les lieux lors du marché les dimanches après-midi. Moi, de ma part, je m'occupais de l'administration générale, tout le livre, service bancaire, assurance, le site Internet, les formulaires électroniques, etc. Prochain, s'il vous plaît. Un nouveau produit cette année, c'est un carnet promotionnel à la découverte des produits locaux. C'est-à-dire que nous avons recruté une vingtaine de producteurs locaux. On a spécialisé une page dans le carnet pour chaque producteur. Et dans le carnet, on retrouve des coupons rabais, des économies, des cadeaux. Selon le producteur, il pouvait le concevoir à sa guise. Et donc, on invite les gens de profiter des aubaines, des escomptes et des promotions des 20 producteurs qui participent au travers de notre région. Donc, les gens ramassent ce carnet-là la première fois quand ils visitent un marché champagne ou par un outil de communication quelconque. Nous avons aussi les mêmes informations présentées sur notre site Internet. L'objectif de tout ça, c'est d'amener les gens locaux, de découvrir les producteurs locaux et de retourner de façon répétitive. Par chaque page contient 12 fois l'occasion de profiter d'une aubaine chez un producteur. Le suivant. La localisation de nos producteurs de nos membres est importante. Nous avions déjà par le passé une version imprimée d'une carte régionale avec nos producteurs, nos membres. On a abandonné la version imprimée depuis quelques années et on se concentre sur la version visuelle, en ligne. Parce que c'est moins cher, plus facile à gérer, c'est en temps réel, on peut enlever ou ajouter des membres au besoin. Ce n'est pas une carte qui a une vie éternelle si ça retrouve dans un tiroir quelque part. Nous utilisons un service en ligne qui s'appelle The Store Locator Widget, un service en ligne de la Grande-Bretagne. Et c'est un outil multilingue, donc la carte se présente en anglais et en français. Il y a plusieurs filtres. Une personne peut choisir de trouver du bœuf ou des légumes, un marché champêtre ou un producteur ou un boulanger, etc. Et filtrer en conséquence. Le service est disponible en anglais et en français sur notre site Internet. Et pour chaque inscription sur la carte, le consommateur en visitant peut cliquer sur un lien Internet, se retrouver sur le site web du producteur, sur son magasin électronique ou autre façon de rejoindre la personne comme sur Facebook, etc. Suivant, s'il vous plaît. Un projet particulier des Comtés Unis de Prescott-Rosso que notre réseau a appuyé, c'était la virée Brew & Chew, un jeu de mots en anglais et en français, pour promouvoir d'abord les producteurs des vignobles et les brasseries de la région, les producteurs originaux de vin et de bière, avec des restaurants et la fine cuisine gastronomique. Il y a deux versions. Il y a une version imprimée, ça prend de la place, et il y a une version en ligne qu'une personne peut télécharger sur son ordinateur ou sur son téléphone. Et on invite les consommateurs locaux ou les visiteurs de visiter des brasseries, vignobles et restaurants qui sont près de chez eux, qui ne sont pas très loin. Et la route représente des distances d'une dizaine de minutes entre chaque destination. Et on voit l'image ici d'une section de la route. Il y a une autre section vers l'est qui représente encore plusieurs autres lieux à visiter. La prochaine. Un programme dont nous sommes fiers cette année, c'est le programme Saveurs de l'Est. C'est différent un peu de la carte que je viens de présenter il y a un instant. Et on retrouve souvent que les bureaux touristiques municipaux présentent des répertoires. Le répertoire, la liste des terrains de golf, des restaurants, des hôtels, motels, la liste des bed and breakfast, la liste des etc. Ce sont des listes avec une description de chacun. Donc, le consommateur, le voyageur doit faire ses recherches, lire beaucoup et concevoir son propre itinéraire pour la journée ou la fin de semaine. Tandis que les consommateurs aiment beaucoup acheter des packages, des tournées. Ils embarquent en autobus, en bateau ou en voiture ou quoi que ce soit, puis il y a un guide qui les a déjà tout organisé ça. Donc, ils profitent de la sortie, ils n'ont pas mis un gros investissement dans le développement de leur circuit. Donc, nous avons fait ça pour eux. Ils n'achètent pas un forfait. Il n'y a pas de transaction ici. Nous avons, avec l'aide d'un blogueur, nous avons conçu un itinéraire sur une page web avec une description de chaque lieu à visiter, des fermes, des marchés champêtres, des restaurants, des cafés couettes, des sorties naturelles, marches en forêt, des sorties historiques, culturelles, etc. Donc, ce n'est pas uniquement l'agroalimentaire parce qu'on s'est dit, pas seulement que le consommateur veut avoir un circuit tout fait, il veut sauver l'ouvrage, mais il veut de la diversité.
Le consommateur, la famille avec deux enfants n'ira pas faire la tournée des brasseries toute la journée. Les enfants sont tannés, ils veulent faire autre chose. Donc, on a une diversité là-dedans. Nous avons une diversité dans notre circuit, c'est-à-dire, oui, il y a une brasserie, oui, il y a un vignoble, il y a un marché champagne, il y a une ferme, il y a aussi une sortie en forêt, il y a un restaurant, il y a même un terrain de jeu pour les enfants, il y a une patinoire en hiver, il y a une sortie de sirop d'érable, etc. Donc, un circuit pour amuser toute la famille pour une journée ou un week-end. Prochain, s'il vous plaît. Le portail des aliments locaux est une initiative de commerce électronique. Déjà, depuis surtout la pandémie, la plupart des producteurs sont en commerce électronique. Ils ont un magasin virtuel sur Shopify, sur Wix, sur Square, etc. Il y a plusieurs plateformes disponibles. Nous avons établi un partenariat particulier avec une plateforme de commerce électronique qui s'appelle Localine, une compagnie ontarienne. C'est particulièrement adapté aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires. Et donc, c'est différent de Shopify dans ce sens-là. Mais ce service-là a un concept de marché électronique. Donc, les participants, les entrepreneurs qui sont abonnés à ce service-là, on forme un marché électronique et donc le consommateur de la maison, de son ordinateur, de son téléphone, peut visiter le marché, visiter chaque producteur et faire des commandes, des achats en ligne directement et organiser les paiements, les livraisons avec chaque producteur directement. Donc, vraiment, c'est une vitrine, un portail, une vitrine vers les producteurs avec un achat immédiat. Suivant, s'il vous plaît. C'est bien important de raconter des histoires, que le consommateur puisse établir une relation visuelle, un visage, un nom, une personne, une historique de la ferme directement, et donc découvrir c'est qui en arrière de ce produit-là, où sont-ils, d'où ça vient. Et donc, nous avons embauché un journaliste pour écrire 4 fois par mois un profil d'un producteur local avec photos, environ 300 mots, anglais et français. Ils sont publiés dans nos infolettes qui sortent aux 2 semaines, sont publiés sur notre page Facebook. Et cette année, nous prévoyons agrandir ce programme-là et inclure des vidéoclips d'environ 5 minutes. Donc, un vidéojournaliste va visiter la ferme, l'entreprise, faire un reportage audiovisuel, puis on va pouvoir publier ça. Et encore, là, générer des contacts et une relation directe entre producteurs et consommateurs. Suivant, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas faire ça tout seul. Il y a trop d'ouvrages, il y a trop de monde, il y a trop de possibilités. Donc, on se fie beaucoup sur des partenariats, c'est bien important. On ne veut pas faire la compétition ni du duplicata avec les efforts réalisés par les autres gens. Un exemple d'un partenaire, c'est Terrego. C'est une association, c'est un service de voyage par VR pour amener les VR sur les fermes en milieu rural. Alors, plusieurs de nos membres de notre région sont des membres de Terrego et vice-versa. Et donc, nous faisons de la visibilité de Terrego vis-à-vis nos services de promotion et vice-versa. On a une bonne visibilité chez eux également. La même chose, AgLinks est un répertoire d'informations et de produits ontariens qui sert à promouvoir les produits agroalimentaires, les services, les intrants, tout ce qui est agricole. Et on encourage nos membres à s'abonner et on a un forfait spécial pour les membres dans ce service-là. Un autre type de partenariat, c'est les commandites locales. On ne veut pas organiser toutes les fêtes champêtres à la ferme, la dégustation de vin fromage, c'est tout l'ouvrage, mais il y a des entrepreneurs, des propriétaires de fermes qui veulent en organiser eux-mêmes. Tant mieux, on les appuie avec de l'argent et de la promotion. Donc, une commandite financière directement à la ferme, à l'association de quelqu'un, par exemple, Apples on Earth est une tournée artistique dans la région de Cornwall et Stormont-Dundas-Glengarry à l'automne en septembre. Ils ont déjà leur organisation, mais ils cherchent des sous et la promotion de la visibilité. Parfait, on leur fait un chèque, on communique leurs informations par nos médias, on amène nos membres à participer à cette tournée-là comme destination. Et il y a plusieurs autres festivals à la ferme, bain fromage, etc., des fêtes gourmandes. Et on les appuie avec un chèque, on envoie de l'argent, puis on fait de la communication avec eux, mais on leur laisse la tâche de l'organiser parce qu'ils font bien. Ensuite, et ça résume ma présentation, merci beaucoup. Merci, Tom. C'est bien apprécié. Comme je disais ce matin, quand on avait une délégation américaine dans ton secteur, avec toi et Geneviève, il y avait le début du sentier Brew and Chew et Lisa faisait partie de cette délégation. On avait tellement mangé chez vous, comme je disais ce matin, la prochaine visite, on va tout porter du spandex. Alors, merci bien. Puis à tout le monde, je vais aller à ce point ici avec Isabelle pour rapport
à période des questions. J'espère que... Est-ce que mon micro va mieux que tantôt? Il y avait beaucoup de micros ouverts tantôt, oui. Il y avait de la résonance. Est-ce que ça va mieux, oui? Oui. Oui, bon, merci Geneviève. Alors, merci à tous. Merci à tous nos conférenciers. Vraiment, c'est super intéressant. J'imagine que tout le monde a très faim à l'heure qu'il est, si vous n'avez pas déjà mangé. En fait, je voulais remercier M. Gilepsy pour son intervention. Je l'ai présenté un peu vite tantôt parce que j'étais distraite avec les micros qui ne fonctionnaient pas. Donc, merci David. David qui est... aussi initiateur là, d'un comité qui s'appelle le Canadian American Exchange, qui vise en fait une initiative de créer un circuit agroalimentaire international. Donc, un projet qu'on travaille ensemble depuis plusieurs années. Donc, merci beaucoup. En fait, merci à Christelle, à Mireille, à Nadia, à Tom qui ont participé. Merci aussi à l'équipe de Lisa Chess qui nous a permis de se rassembler pour vous présenter cette conférence aujourd'hui. Là, je vous inviterai à poser vos questions. J'ai aucune question, donc ça veut dire que tout était si clair. Donc, je vous inviterai à poser vos questions dans le chat. Il nous reste encore une dizaine de minutes. En attendant que ça vous vienne, s'il n'y en a pas, n'hésitez pas là, à les écrire dans le chat. Mais en attendant, en fait, je vous inviterai à vous inscrire à la prochaine conférence. C'est une série de webinaires. En fait, celui-ci, c'est le 14e d'une série qui dure depuis le mois de septembre, qui fait suite, en fait, qui garde le contact entre les différents intervenants là, d'ici le congrès, le colloque agrotouristique international qui aura lieu à Burlington le 30 août prochain, pardon, jusqu'au 1er septembre. Donc, vous pouvez vous inscrire bientôt au colloque, mais d'ici là, il y aura quelques webinaires, encore des conférences. Donc, la prochaine conférence a lieu le 2 mars. Corrigez-moi si je me trompe, David, le 2 mars, donc sur l'innovation culinaire à la ferme. Ça va être donné en anglais. On était en fait la seule conférence donnée en français de la série. Donc, vous allez trouver sur le site de Agritourisme Workshop, peut-être qu'on peut le mettre dans le chat, le remettre à nouveau, la série, dans le fond, des conférences passées qui ont eu lieu, qui sont vraiment intéressantes, que vous pouvez consulter les vidéos qui ont été tournées, tout a été enregistré comme aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de sujets à travers le monde là, qui ont été discutés. Et puis, dans le fond, la présentation d'aujourd'hui va vous être envoyée, autant les présentations en anglais et en français que la vidéo va vous être envoyée avec les différents liens. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y en a qui auraient... Là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens du Canada. Là, j'ai vu des gens de l'Est du Canada. J'ai vu des gens d'Ontario, du Québec. Les associations touristiques se sont nommées, Terrago qui est avec nous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour nos conférenciers, là, c'est le temps. Sinon, on pourrait aller aux questions, Isabelle, qui a été posée ce matin en anglais. Ça serait un excellent, parce qu'il y a des très bonnes questions là-dessus. Amelia, did you want to put the question from this morning? Let's see. This is one that I think is good for everyone, which said, tell us about the challenges you have experienced working as a collaboration through your region and with different communities and businesses. What are your biggest challenges developing these collaborations? Alors, la question serait, quels sont vos plus gros défis que vous avez eu à collaborer là, dans le passé là, au niveau de vos projets? Est-ce qu'il y a des gens qui ont le goût de... Est-ce que Tom pourrait répondre à cette question? Oui, s'il vous plaît. Le défi particulier, c'est la patience. Parce que d'une part, les entrepreneurs sont des entrepreneurs. Ils veulent de l'action. Il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit simple. Ils veulent de l'argent, il faut que ça bouge. Puis ils se méfient beaucoup des politiciens et des administrations publiques qui, au contraire, sont très différents. C'est long, des budgets annuels. On ne peut pas demander quelque chose cette année parce que le budget municipal a déjà été approuvé. Il faut penser à l'année prochaine. Donc, c'est du très long terme. Entre-temps, les entrepreneurs se frustrent vis-à-vis de ce monstre administratif. Même les subventions provinciales, ils t'avisent 3 semaines d'avance que la période d'ouverture de la subvention est bientôt, puis ça ferme un mois plus tard. Tu n'as pas le temps de développer un projet approprié avec toutes les consultations nécessaires. Donc, c'est de la patience à pelleter. Oui, Nadia. Merci, Tom.
Oui, donc c'est ça. Alors, l'un des, je pense, un autre défi également aussi, c'est que lorsqu'on travaille en consultation, en développement, on donne des conseils, on voit les forces, on voit le potentiel, c'est que des fois, bien, on propose des activités, puis des fois, on ne comprend pas pourquoi. Bien, ça, c'est un grand défi quand on propose des exemples, des nouvelles idées, des nouveaux concepts. C'est que si on... Ce que, à travers les années, ce que j'ai vu, c'est que, ce que j'ai compris, c'est que, oui, il y a l'entreprise, mais derrière l'entreprise, il y a une personne. Donc, plus on comprend le producteur, plus on connaît, plus on comprend ses aspirations, peut-être même ses autres passions. Je vais vous donner, par exemple, un exemple concret. J'ai une productrice de vin, je la connaissais depuis au moins 5 ans. On a travaillé ensemble sur un projet. Comment améliorer ses activités de dégustation avec des accords. Puis elle m'a dit, Nadia, il manque quelque chose. Alors, je lui ai dit, mais c'est quoi tes passions dans la vie? Elle dit, moi, elle dit, je suis une chanteuse opéra. J'ai dit, waouh! J'ai jamais su. Alors, ce qu'on a fait, on a mis sur place ensemble les dimanches au vignoble avec opéra, dégustation et puis accord. Alors, c'est ça. Donc, en écoutant les producteurs, les propriétaires d'attraits touristiques, on est capable de développer des activités. Pas juste une idée géniale, non, des idées qui vont coller à la personnalité, à les réalités et à la force de l'entreprise. Excellent point. Christelle, est-ce que vous aimeriez rajouter? Oui, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit notamment Tom sur la difficulté en fait de conjonction des demandes publiques et privées. De l'innovation qui n'est pas comprise par le public. Je pense notamment, nous, les maires ruraux, ils ont du mal à comprendre que simplement faire visiter une ferme en faisant participer un touriste, eh bien, c'est une forme d'innovation, c'est une forme d'ouverture vers voilà, une sociologie qu'ils ne connaissent pas. Donc, effectivement, c'est d'abord acculturer chez nous le public à cette nécessité de l'innovation et à ce temps qui doit s'accélérer auprès du privé, financer les premières preuves de concept, parce que je crois que l'argent public est fait pour ça, il est fait pour financer justement les débuts de l'innovation. Mais en même temps, la difficulté qu'on a eue, nous, c'est qu'on avait beaucoup de jeunes entreprises qui ont pensé qu'on était leurs clients, mais on n'est pas leurs clients, on est juste là pour financer le premier bout de leur projet et derrière, il faut qu'ils aillent trouver des clients. Et ça, c'est un petit peu la difficulté, c'est qu'il faut accompagner, mais sans nourrir comme on alimenterait un petit chien, quoi. Il faut vraiment leur permettre de grandir. Parfait, merci. Mireille, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais en fait, ça combine beaucoup ce que déjà les autres ont mentionné, mais le plus grand défi, c'est prendre le temps. Je pense que c'est avec les producteurs, avec les fermiers. Donc, on doit apprendre à prendre le temps. On doit apprendre, comme Nadia dit, à discuter, échanger avec eux. C'est des gens qui sont très, très, très occupés. Donc, c'est de cibler les bons moments, de ne pas arriver chez eux comme on pourrait dire comme un boulet. Donc, vraiment, qu'ils nous voient comme un invité et non que nous, on s'invite. Donc, c'est vraiment ça qui est un challenge un petit peu, donc parce que, bon, si on veut prendre le temps justement de bien faire les choses, puis après ça, créer les maillages, ben, c'est pour vraiment commencer par eux. Donc, c'est vraiment là d'y aller, puis de vraiment focusser sur leurs intérêts et non les nôtres en premier. Excellent. On a peut-être une autre question, si on prend 2 minutes. On a une question de Kim Roy de Tirago qui questionne un peu sur la CPTAQ. Je ne sais pas si on veut aller là. En fait, est-ce que vous avez des problèmes à vous installer, dans le fond, comme installer un camping inusité, un campement inusité en Europe, par exemple, en Ontario? Est-ce que vous avez des problèmes à installer ça sur les terrains agricoles, tels un vignoble? Tom et Christelle, ça s'adresserait peut-être à vous. Moi, je vais laisser Tom répondre d'abord parce que je ne connais pas du tout le CPTAQ. Alors, c'est des règles gouvernementales qui empêchent de faire de l'hébergement, ben, entre autres, là, dans ce qui nous concerne, qui nous empêchent de mettre un hébergement insolite dans un milieu agricole. On n'a pas ce problème, enfin, je ne crois pas. Chez moi, je ne connais pas les règlements au Québec.
du moins en Ontario, et ça peut rencontrer un problème. L'idée de monter un yurt ou un camper ou quelque chose, ça prend des questions de code de bâtiment à respecter. Où sont les toilettes? Où est le stationnement? Il y a du zoning municipal à régler. C'est-à-dire, les fermes en Ontario ont une réduction importante des impôts fonciers. Mais aussitôt qu'il y a une activité commerciale non agricole comme un yurt, là, il y a un changement de zoning. Il faut que le fermier fasse une application à la municipalité pour dire que ce corps d'acre, de cette parcelle-là, c'est devenu maintenant commercial. Là, et donc, l'impôt foncier monte en conséquence. Il y a la paperasse. Et aussi, les municipalités ne comprennent pas toute cette histoire-là. Alors oui, il y a un conflit entre les agriculteurs et les municipalités dans ces activités qu'on dit non agricoles. La même chose si on veut faire une dégustation à la ferme à l'occasion de visiter avec un genre de repas, mais c'est devenu un restaurant. Mais un restaurant, sur une ferme, ce n'est pas de l'agricole, c'est commercial. Alors, toute la question de zoning, puis l'impôt foncier, puis le règlement sanitaire, le règlement de sécurité, etc., tout en ligne de compte, les fermiers sont frustrés avec tout ça. Oui, alors du coup, je comprends mieux. Et effectivement, en France, on a ce problème-là, mais surtout au-delà de 5 hébergements. C'est-à-dire que dans une ferme, vous pouvez faire des chambres d'hôtes, jusqu'à 5 chambres d'hôtes, et auquel cas, les contraintes sont assez légères, on va dire. Par contre, au-delà, ça devient très, très compliqué. Donc, effectivement, on a aussi des contraintes. Si je peux intervenir, je dois dire que je travaille beaucoup dans les dossiers, plus de 500 dossiers de la CPTEQ pour l'UPA dans ma région. Et eux aussi, il y a une évolution à faire de la part de la CPTEQ. Alors, je vais laisser ça de même parce que le temps court. C'était super intéressant. En fait, on a fait le tour aujourd'hui de différentes. J'espère que ça vous a inspiré d'entendre Christelle, Tom, Nadia, Mireille, donc sur tous les idées de ce qui se fait là, autant en France, en Ontario, au Québec. On aurait pu en parler pendant des heures. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres projets qui tournent dans vos pays, provinces. Donc, merci encore d'avoir été présent, d'avoir participé. Et puis, bonjour Maude. Je vois Maude Saint-Hilaire qui est avec nous du Garde-Manger du Québec. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire qui est le 2 mars prochain, donc sur Culinary Innovation, donc l'innovation en tourisme gourmand, j'oserais dire. Qui aura lieu, dans le fond, vous allez directement sur le site web pour vous inscrire, c'est gratuit. Puis, vous allez voir la suite aussi, il y en a un autre en avril, et puis ceci jusqu'au mois d'août prochain. Puis vous pouvez vous inscrire là, au congrès. Le colloque, en fait, concerne toute l'industrie touristique, autant producteurs que les associations. Donc, inscrivez-vous au colloque à Burlington, là, ce sera une occasion de se revoir à ce moment-là. Donc, ça ferait le tour. Il est 1 h tapant. Merci encore à tous. Et puis, merci de l'opportunité, Alissa Chess et tout au regroupement là, de Agritourism Workshop pour nous donner l'opportunité aujourd'hui d'avoir pu échanger ensemble. Donc, merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.